Bob Marley. Style musique ça a des boîtes tendues, non Bob Marley a monté dans tête quand même. Et jusqu'à jeudi à là, yo ti moun 15 l'année a chanté Bob Marley, a mette maillot qui gen boule tête Bob Marley sous lit. Pendant ce temps, citoyen mouri depuis bel moment qui donc Bob Marley marqué monde là. Et si nous pas se menti, garde petit ça. Il peut quand même ka parler bien. L'a chanté Bob Marley. Don't worry about the thing. Every little thing is gonna be alright. I woke up this morning on my horizon. Mais qui citoyen ça, Bob Marley? Eh bien, je dis à qui te présente nous tout ça ne pas connaît sous la vie Bob Marley. Non complet citoyen, c'est Robert Nesta Marley. C'est dans le pays Jamaïque, 6 février 1945, libre en naissance. Non Bob Marley après le vini, c'est parce que Bob, c'est un petit nom jouet pour tout le monde en anglais qui est le Robert ou bien Robin. Comme il y a le Robert Nesta Marley, il y a Robert là, et bien là, voilà, il tout tombé dans Bob là. Bob Marley. Maman, c'est de la Malcolm. C'est une Jamaïcaine, descendant africain. Grand-papa, c'est un ancien esclave qui est sorti dans le pays Ghana. Pas oublié, Jamaïque, c'est une colonie pour Angleterre. Papa Bob Marley lui-même, c'était Norval Sinclair Marley. Norval Marley, ça, c'était un Jamaïcain blanc. Il était fait dans le pays Jamaïque, dans la famille blanc. Norval était dans l'armée anglaise. Norval, gros bout de grand monde, 60 l'année, pour joindre tissé de la 16 l'année, tinegues, tété doubout, en grand lame de PD, li lagué un petit dans 20 tinegues là. Qui donc, ti Bob Marley. Mais histoire pas de camper là, Norval t'est marié avec maman Bob Marley, qui c'est de là. Là ça c'est de là tu gagne 18 l'année. Les Bob Marley fête papa te gagne 64 l'année. Monsieur pas tellement là pour petit ya. Maman qui pas gagne moyen cause yo pas trop douce pour petit Bob qui fait dit le monde bonjour. Dans l'année 50 yo petit Bob Marley a grandi. Papa il était dans capitale Jamaïque qui c'est Kingston et puis il a vivre avec maman dans une ville province qui est Nymars. Qui ça t'a fait c'était garder cabrit pour grand papa, papa maman et puis il y a l'école dans un petit village tout près. Selon maman et Bob Marley, professeur Bob Yotemel en pile parce que il était très intelligent. En 1950, papa Bob Marley Noval voyant l'aide by maman, il dit pour Bob rentrer dans la capitale là, vin l'école pito. C'est de là d'accord vrai, il voyait Bob à la Kingston. Plusieurs mois passé, maman pas jamais gen nouvelle Bob. Écrit sous écrit, papa pas jamais répondu. C'est là maman pral décider mettre école li pour regarder côté petit garçon là y est. Bon, il est arrivé, il voit petit ya, pas ta mal passé que ça. Et Bob gen 10 l'année, papa vin mourir. Kounya c'est maman qui doit prendre toute responsabilité. À 12 l'année, maman avait pral décider à arrêter dans une cité dans Jamaïque qui est le Trench Town. C'est là maman te gen possibilité pour te payer un petit caille parce que maman sorti dans province, tout jeune petit fille pas gen moyen vraiment. C'est dans Trench Town ça, maman Bob Marley prend la relation avec Thaddeus Livingstone qui c'est papa Neville Livingstone que tout le monde connaît sous nom Bunny Wheeler. Qui des amis Bob Marley et puis qui pral vin collaborateur tout après. Et après, maman Bob Marley pral marier avec Edward Booker, un américain qui tap travail dans Jamaïque. Bon là, ti kòb manje a te vin plus facile pour joindre. C'est dans même période ça tout, à 14 l'année, Bob Marley pral décider quitter l'école, côté il pral laguel dans soudé. Chaque jour, il levé là le soudé et puis dans temps libre, il jouait ti musique avec zan milio dans quartier. Pour carrière musique là, même c'est grand-papa au Maria, papa maman qui pral youn nan premier monde qui pral mener Bob Marley dans mode musique là. Mais c'est là pral arriver dans Trench Town avec l'autre zan milio dans la rue, il pral rentrer très fond dans question musique, li même ak Bunny Wheeler pral former petit groupe pour frapper dans quartier. Et faut me di nou tout. Dans quartier côté yo té rete ya, dans radio qui té gagné yo, yo ka capter musique dans pays États-Unis dans ville Nouvelle-Orléans. C'est là ou pral commencer konnen quelques artistes comme Will Charles, Fats Domino, Cody My Fly, Boog Benton, Atisao qui t'a fait ti causer dans l'époque là. Yon petit après, Bob Marley pral rencontre yon l'autre jeune encore qui fou pour musique, qui c'est Winston Hubert McIntosh. Tout le monde connaît sous nom Peter Tosh. Bob Marley, Bunny Wheeler, Peter Tosh, monsieur Postien, trois roches du feu qui pral faire musique là, fait gratin.
En 1962, il y a un entrepreneur dans la question musique qui c'est Leslie Kohn qui décide de dire l'attendre Bob Marley pour ça le café avec voile gain. Effectivement, monsieur attendait Bob Marley, monsieur qui remet voir Bob Marley rapide vite il mène Bob Marley dans le studio pour enregistrer une musique. Première musique Bob Marley qui est pour titre Judge Nat. Une musique qui parlait de toute misère t'a passé à cause des petits blancs. Yo pas considéré comme noir, yo pas considéré comme blanc. Donc Bob Marley dit pas juger. Musique ça qui était marché, c'est là Bob Marley dit ah, bien les cafés musique pour tout bon là. Année après en 1963, il va décider prendre bagaille au sérieux, il va associer avec Peter Tosh et puis Bonnie pour créer The Wheeling Wheelers. C'était premier nom groupe là. Monsieur pral gen yon batteur qui c'est Alvin Patterson qui pral mener monsieur yo by Clément Dodd qui est un producteur musique dans Kingston. Et puis Dodd al tan de jazz là qui a frappé et puis il dit ah ça a bon ti monsieur, faut nous kembel nous ka avancer ensemble avec lui. Et rapide vite là avec Dodd, monsieur pral sorti Simmer Down. Yon titre après, il était en numéro 1 dans chat dans le pays Jamaïque. Bon, et tout le monde, ouais, monsieur, bon, et yon pral commencer à mettre musique à terre pour Dodd. Et maman Bob Marley me dit nous, qui était marié avec un Américain, il va décider de quitter Jamaïque pour aller vivre aux États-Unis. Et après, c'est lui-même qui va le voir, un billet d'avion, by Bob Marley pour Bob Marley, vini tout. Mais avant Bob Marley était allé aux États-Unis, il a rencontré dame ça, qui est Alpha Rita Constancia Anderson. Rita Anderson. Qui lui-même c'est un Jamaïcain. Il était marié lui-même avec Bob Marley en 1966. Et tout de suite après le mariage ça, Bob Marley pour aller font virer dans cette là, il va aller aux États-Unis. Et Bob vient aux États-Unis, il juste font petit temps là, il font petit travail pour te faire l'argent pour capable investir dans projet musique lio. Et 8 mois après, il passe aux États-Unis, il back dans Jamaïque. Et dans le moment Bob Marley pour aller tourner dans Jamaïque là, pour aller un empereur à y laisser la scie qui pour aller faire passer dans Jamaïque. Mouvement Rastafari là commencer à installer dans le pays là. Et Bob Marley pour aller commencer à attacher à mouvement ça. Moi j'ai fait une vidéo déjà sur qui ça Rastafari à qui ça lié. Donc nous allons regarder. Donc Bob Marley vignon Rasta dans l'année 1967. Bon pour couple la même monsieur font petit camper, c'est le ça et Bob Marley aux États-Unis. Et là les tourner, il va le rebalancer. Le ça c'est avec même toi non yo Peter Tosh Bunny Wheeler avec Bob Marley qui pral relancer et cozy et fois ça ça nous va gagner de Wheelers et pral aussi gens changer nos groupes là. Mais pas oublier me dit nous c'est d'autres qui t'a produit monsieur yo. Et là monsieur vinn gagne problème avec d'autres avec question attachement avec mouvement Rastafaria et pral gagner des accords d'autres pral dit pas produire encore parce que le pas dans Rasta. Et c'est alors monsieur pral dit et bien là nous pral former propre projet pas nous qui ça pral faire. Pour le mettre sous pied, yon label qui est le Will and Soul. Bon, label là, pas trop kembe, même année 1967 là, libral fermé. Mais groupe là, il toujours frappé red. Dans l'année 70, le groupe là, il prend tout caïbe là pour lui, mais il peut reconnaître yon dans le gros pays. Yo. Et là, en 1971, Johnny Nash, qui était un artiste américain, qui était déjà découvert et reggae, qui était déjà découvert Bob Marley, pour inviter Bob Marley dans le pays, la Suède. Côté Nash, t'as un contrat pour aller faire musique pour film. Et c'est là Bob Marley tout pour aller sous contrat avec CBS pour lui enregistrer une musique. En 1972, avec toutes les Wheelers, monsieur pral débarquer dans un pays Angleterre, dans Londres, pour aller jouer. Laisse ça, Nash a backup, yo sorti projet Reggae on Broadway. Il a fait promotion pour projet ça, monsieur a avancé. Pour Bob Marley, vin prend un monde là, pour vin tourner iconique, jodi à la cause, il a commencé en 1971. Quand il pral rentrer dans le studio Island Record, monsieur Island Record, yo pral bail et groupe Bob Marley à 1000 sterling pour faire un album. Le l'argent qui représentait 60 000 $ environ jodi a la. Yo di c'est des premières fois un groupe reggae té gen accès à privilège ça yo, y a traité yo même gens à groupe rock yo qui était style qui t'a dominé dans l'époque là. Et là The Wheelers pour sortir album nan Catch a Fire. C'est non album ça, c'est album ça ou pour jouer une petite ça Stir It Up. Ooh, stir it up.
là, Island Record pour décider de faire des Wailers là, faire une tournée dans Grande-Bretagne et puis dans Amérique là, dans les États-Unis. En 1973, Bob Marley arrivé en Angleterre, il a fait 3 mois à frapper. Après, il a tourné Jamaïque, c'est rentré, changer maillot, direction États-Unis. À The Wailers craser ça. Yo. Tellement mon a demandé The Wailers, il était obligé d'augmenter sous date que tu gagné à la base. Yo. Et c'est même 1973 ça tout. The Wailers pour le sortir deuxième album à Kailen, Burning. C'est sous lui où nous pour jouer Get Up, Stand Up. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Pendant toute année 1974, Bob Marley passait à travailler dans le studio pour le cas de projet ça qui c'est Natty Dread, album ça qui pral gain de musique d'un coup No Man No Cry, Soulitou, So Jassé, Revolution. Mais en 1975, Peter Tosh et Bonnie pral quitter le groupe là côté pral lancer yo dans carrière solo et puis yo pral rebaptiser groupe là tout Bob Marley and the Wailers. Et 1975, Natty Dread sorti. Monsieur qui te groupe là, c'est là Bob Marley pour remplacer yo avec 3 filles. Madame Li, c'est une madame ça tout pour te capable faire chorale dans groupe là. No Man No Cry pour une musique qui pour aller tout top et qui pour faire reggae à gain place li dans musique dans monde là. En 1973, album Rastaman Vibration pour sortir. Et là ça pour confirmer effectivement qui ça Bob Marley a café. Mais pour musique a fait Bob Marley a fait non pas seulement sonner dans musique, li pour commencer marcher sous piège. En 1976 à tout pour gain tentative assassinat. Pas oublier, Jamaïque c'est un pays qui toujours gain nèg ak manche, qui toujours gain affrontement entre groupes. Dans l'époque ça, t'ai gain 2 groupes qui t'a fait face à face. T'ai gain Jamaica Labour Party et puis People's National Party. 2 partis ça yo a bay problème. Et Bob Marley lui-même par rapport à non vin gain, li croit que lui-même ka mette yon ola. Et c'est alors qu'il a décidé de faire un concert pour la paix dans le National Heroes Park de Kingston, 5 décembre 1976. Le concert a sorti et puis boum, gouvernement a sorti date pour élection. Et la question politique tout qui mettait groupe dans l'affrontement commencé à prendre. Dans le 4 décembre, la veille concert, 7 nègres ak manche rentrent la caille Bob Marley. Yo vide bal sou li et li blessé. Ak tout ça dans 5 décembre concert te bay quand même. Yon ti tan après concert ça, li pral quitter Jamaïque. Pour l'exilé, pral quitter Jamaïque en 1977 côté li pral installé dans pays Angleterre. Et c'est là li pral travail sur album Exodus qui pral sorti même 1977 là. Album ça qui pral gagner de titres tant coup Thriller the Birds. Il va gagner One Love. Album ça va le mettre point sous i. Album ça a arrêté notre chat dans le pays Angleterre pendant 56 semaines affilées. En 1978, il va le sortir album Kaya. Plaque ça dans tête l'inspirée avec 2 titres ça yo, Satisfy My Soul et puis Is This Love. C'est réel. Bob Marley dans flèche dans carrière. En 1978, il va inviter la Jamaïque pour jouer concert One Love Peace devant Premier ministre et pays a et puis après c'est Oni qui va l'inviter pour aller prendre médaille de la paix. Après ça tout c'est marché jouer tout côté en Europe, en Amérique, en Asie, regarde by tout côté. Et en 1979, Bob Marley pour sortir pour Island Record album Survival à quelques titres ça yo tant que Zimbabwe, So Much Trouble in the World, World et Africa Unite et rapide vite gouvernement Zimbabwe pour envoyer invitation officielle by Bob pour jouer pour lui dans cérémonie indépendance pays et après groupe la pour laguer en Europe soutien en Europe rentrer États-Unis. Oh c'est gros causé qu'a fait Bob Marley dans flèche là. Oh c'est comme ça pendant Bob Marley a frappé citoyen pour tomber malade. Et là, diagnostic fait, yon jwenn se yon mélanome. Yon cancer moun fè généralement sous peau. Nan kapal la, yon pral jwenn se nan tête zote li, cause ya te commencé pété. Bon, gen yon légende urbaine sou cause ça qui fait comprendre. Et c'est après un match qui t'a joué, et puis il fait un petit cassé zote la, et puis blo, maladie tombe. Mais donné yon fait konnen, ça te getan là déjà. Sauf que li peut te kopete, mais l'étape vini quand même. Nan ka maladie Bob la, yon te kajiril, parce que te recommandé pour le couper zote la. Mais il te dit non, li pas coupé parce que ça t'a pas le mettre carrière sous pause. En même temps tout le te râler argument croyance li.
Donc ça on va le faire, yo pas coupé le main, yo t'ai retiré zonglan, yo t'ai retiré quelques petits parties encore et puis fait greffe pour lui et puis il t'ai continué à performer sans problème, à continuer honorer tout contrat de gagner pour année 1980. Et c'est comme ça dans l'année 1980, pendant que c'est fini jouer dans New York comme ça, il sorti la fête de jogging et puis blip il est tombé. Courir l'hôpital, c'est là ça au pral ouais, quand c'est est arrivé dans ses vols, il prend poumon, il prend foile et là 23 septembre 1980, c'est dans Pennsylvania, il t'a pas le dernier concert. Et après santé il pral commencer dégrader, il pral obligé annuler tout l'autre concert. Et après ça, il pral aller ensemble avec lui dans pays Allemagne, dans une clinique qui proposait un style traitement pour cancer, qui un médecin qui est Joseph Isel bail, quand il suivre avec mon dans un régime très strict. Il a évité de manger quelques bagages, il a ça pour le manger. Donc c'est comme ça. C'est pour passer un petit temps l'autre bord ça dans le traitement. Ça qui peut pas le traiter cancer Bob là, vrai. C'est comme ça, dans le commencement du mois de mai 1981. Docteur a dit, il n'a pas fait un pour Bob encore. Et là, il peut mettre dans l'avion pour rentrer la Kaili dans le pays Jamaïque avec lui. Pour le faire rester jour. Et pour le passer faire un escale ensemble avec lui dans Miami. Quand il était souhaité, ouais, maman, avant. Bon, là, Cabral vient dégénérer dans le Miami. Hein, et 9 mai 1981, il peut le courir avec lui dans l'hôpital dans Miami. Et c'est là, il peut le mourir dans 11 mai 1981 à 36 l'année. Bob Marley, nous tout connaît aujourd'hui à la toute côte où passe musique li, tout moun en trans, li mouri à 36 l'année, jeune petit garçon, après yon l'année malade. 21 mai 1981, dans le pays Jamaïque, il y a Bob Marley funérailles nationales. Dans ce cas-là, il y a une guitare, une bib qui ouvre dans son 23 et puis un pied ganja. Bon, il y a une théorie tout sur le mot Bob Marley. Donc, il y a une qui est liée avec CIA. Il faut comprendre, États-Unis, et par rapport à l'engagement Bob Marley, pour aller mettre CIA sous coup, il y a engager un agent qui pourrait le faire Bob Marley essayer soulier, qui pourrait gagner poison là-dedans, et voilà. Mais quand il va empoisonner les malades pour le mourir. Pour l'autre facette dans la vie, Bob Marley. En plus de musique, tout le monde connaît Bob Marley, t'as fait. Mais football, t'es joué un gros rôle dans la ville. Il était toujours dans le temps sportif. Dans l'année 70, il était remé Club Santos dans le pays Brésil. Pelé, c'était idole dans l'affaire football. Pour question croyance, Bob Marley était un membre dans le mouvement Rastafari qui donc il c'était un Rasta. Alors si vous pas connaissez sac Rasta qui j'ai un monde une Rasta vidéo sur plateforme Will qui tout ça mais titre là ou ka regarder si vous voulez pour capable comprendre bien. Bon, j'aime dire, nous, depuis l'année 60, yo, Bob Marley était adhéré à mouvement Rastafaria, mais dans la fin de vie, il était pas converti dans l'église orthodoxe éthiopienne. Il était baptisé tout bagay, 4 novembre 1980. Pour la famille, Bob Marley a 36 ans, il y a allé, il parti quitter nous, mais il a été en bas un bel coup de bec pour mettre un bel petit petit sous terre. Il y a allé, il quitter 11 petites avec 5 mamans petites, yo reconnaît oui famille mais tout notre timoun yo là. On t'a dit nous déjà Bob Marley était marié avec Rita Anderson en février 1966. C'est avec dame ça, il y a 5 petites, 3 yo t'ai fait et puis 2 t'ai fait avant, yo devine adopté dans famille. Plusieurs petites Bob Marley yo lancé dans musique gain qui fait succès et en pile nous connaît tout gain Kimani Marley, Damien Marley, Ziggy Marley, Julian Marley, Stephen Marley, Owen Marley qui lui-même qui ont joué football professionnel. Pour richesse Bob Marley, l'elle mourir héritage il y a 30 millions de dollars américains. Yo joine sous plusieurs comptes banque li te gagne. Après ça gagne en pile droit sous Zev Lio, gagne Zev qui pou te cou sorti, gagne deux albums qui pral sorti après le mourir. Confrontation en 1983, Legend en 1984, côté qui gagne plus passé 10 millions de ventes dans son album et yo dit Bob Marley rapporté plus l'argent pendant le mourir que vivant. Comme dit nous tout, Bob Marley pas de faire testament avant le mourir. Même leur famille a découlé là pour le défaire, il pas de faire. Et selon la loi dans pays Jamaïque, 55% bien et puis 10% patrimoine artistique c'est pour madame là. Reste là pour Timoun yo. Premier moment yo, coup suprême dans pays Jamaïque, t'es bailler administrateur gérer bien ak patrimoine Bob Marley ou t'es retiré dans mérita. En 1991, c'est Chris Blackwell qui prend pour 11 millions de dollars gestion patrimoine artistique Bob Marley côté et il prend l'associer avec famille pour faire ça. Blackwell tout est acheté droit pour lui retravailler musique yo kounia, toute musique Bob Marley c'est pour Caïman Music. Après tu gagne pile pour c'est dans question héritage Bob Marley. Bon famille, bon bien pour pas gagne goumen
Les hommes ont dit oui. En plus, Bob Marley, si on les jette, mais tout, il était tout venu au Mac à pomper l'argent pendant le mouillant. Même 40 années après, dans tout le pays, sous la planète, là, on a joint sur un mirail image Bob Marley. On a joint les sous maillot, sous képi, dans collier, dans montre. Il y a un Manu Chao qui fait comprendre. Il y a un maillot Bob Marley. Pi important pour traverser quelques quartiers qui chaud qui ont gilet pas balle pour respect Bob Marley gagne dans tout monde là par un côté une activité à fait ou pas tendre passer musique Bob Marley en plus l'artiste remixer musique Bob Marley rechanter musique Bob Marley raison qui fait artiste ça il pas jamais mourir à travers Zevlin fait faut me dire tout Bob Marley était vivant c'est pas parce que le juste a fait musique mais c'est pour message qui était dans musique lui c'était message pour la paix message pour l'amour, c'est des messages contre injustice. Donc ça moun toujours à vivre et eh bien musique Lio a toujours été vivant, a toujours été dans l'actualité. Voilà, c'était pour Bob Marley. M'espérez nous apprendre ce qui chose dans vidéo ça. Pas que bel pour nous partager pour l'autre monde kaweli. Donc c'était Will qui tout ça pour communauté a. N'a croisé une autre fois pour l'autre vidéo dans même sens là. Peace.